Erfoud représente beaucoup pour moi. Ce sont mes racines. Mes grands-parents sont enterrés là-bas. Donc, j'y suis très attachée. Et comme on dit, donc, quant au patrimoine musical, il y a un patrimoine très spécifique dans cette région. Et ce sont, d'abord, il y a beaucoup de piyotim, donc des chants religieux qui ont été composés par des grandes saddikim, de grands rabbins là-bas, un grand patrimoine. Et il y a également le patrimoine des femmes juives du Tafil Alet. Donc, c'est un patrimoine propre à eux. Et ce qui est extraordinaire, pourquoi ce patrimoine m'a interpellée, bien après, parce que moi, quand j'ai quitté Erfoud, je n'avais pas connaissance de ce patrimoine. C'est quand j'ai grandi pour mon mariage, le mariage de mes belles-sœurs, de mes sœurs, les fêtes familiales, où, dans ce temps-là, bien sûr, on invitait les gens âgés de la famille, donc des femmes âgées. Et donc, elles chantaient ces chants-là, et j'en suis tombée amoureuse. Après mon mariage, je me suis dit pourquoi pas ne pas réunir ces paroles. Et à chaque fois qu'il y avait un mariage ou une fête familiale, quand elle terminait de chanter, j'appelais celle qui était très très très, très forte dans ce chant-là, et je leur dis "Afak, gouli, qrali dakchi li katqoul, bghit nktbou nkhli ndi." Et j'ai, imaginez-vous que j'ai commencé j'avais ouvert un carnet, et à chaque fois que j'avais l'occasion, donc j'inscrivais. J'ai réuni ces paroles pendant plus de 25 ans. En 2015, je suis sortie à la retraite et j'ai dit maintenant je vais avoir le temps de faire quelque chose de ce patrimoine. Alors, vous savez, moi, le chant était toujours en moi. Déjà, quand j'étais à l'école, je faisais des chorales, donc j'avais un contact avec le chant. Et pour les fêtes familiales, pour les fêtes communautaires, on m'a toujours dit de chanter quelque chose, donc j'ai toujours chanté. Et comme je vous dis, quand je suis sortie à la retraite, franchement, j'ai eu de la chance, parce que j'ai rencontré des personnes bienveillantes qui ont cru en moi, d'abord en me faisant participer à des émissions télévisées ou à la radio, où j'ai parlé des coutumes et des traditions et du chant juif marocain. Et j'ai chanté un moual de Samine Maghribi, un de Salim Lelali, très court. Et là, il y a eu un impact extraordinaire. Tout le monde a aimé ma voix, j'ai été contactée par des gens, des professionnels, des moulhinines, des chanteurs. On me dit, tu dois t'y mettre, tu dois partager ça avec nous, tu n'as pas le droit de garder ça pour toi. Et alors donc, c'est parti comme ça. Le patrimoine est là. Cette histoire du judaïsme, du judaïsme marocain, elle a été un petit peu mise entre parenthèses pendant des... Mais on ne peut pas dire que les relations ont été interrompues, jamais. Et je me suis dit, Sidna Allah Yansro, il a donné des directives pour apprendre maintenant l'hébreu dans les manuels scolaires et tout. Mais lui, il ne peut pas suivre ce travail. Les organismes donc responsables également, les associations ne peuvent pas tout faire. Donc c'est un effort
qu'on doit faire chacun de notre côté. Chaque citoyen doit faire un petit peu. Et moi, donc, depuis 5 ans, je me suis un petit peu exposée dans les réseaux sociaux. J'ai fait des interviews, j'ai parlé de ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'impact que j'ai eu sur la jeunesse musulmane, qui, bien sûr, ils demandent à ce qu'on soit amis sur Facebook. Et après, ils appellent, ils me disent, madame, ce n'est pas suffisant pour nous, on a envie de vous connaître. Racontez-nous un peu notre histoire, l'histoire de vos parents, de vos grands-parents avec les musulmans. Et donc, ils ont adhéré. Je trouve que c'est un travail, sans me jeter des fleurs. Je suis fière de ce que j'ai fait, parce que maintenant, si je vous dis que parmi ces jeunes, il y a peut-être une vingtaine que je considère comme mes enfants de cœur, qui viennent, ils sont plus jeunes que mes enfants. Je parle des jeunes de 18, 25, 26 ans qui viennent, je sors avec eux au restaurant, ils viennent à la maison, partager un repas. Mon mari était très ouvert aussi dans ce domaine. Donc, et voilà. Et donc ça, c'est, pour moi, ça m'enrichit davantage. Le fait d'avoir gagné le cœur de ces jeunes, de les voir adhérer donc à leur histoire, à ce qui leur manquait qui manque dans leur connaissance, c'est important pour moi. J'en suis fier. En toute sincérité, je pense que je suis la première. Et pour je vais vous faire une confidence. Des fois, dans les fêtes familiales, justement, quand j'accompagnais les hommes de la famille dans ces chants très religieux, certains me disent, écoute, c'est jeune, tu te tais, ça c'est réservé aux hommes. J'ai dit non, ce n'est pas écrit sur la Torah. Non, moi je veux le chanter, je le chante. Et donc je l'ai fait connaître, et j'ai expliqué l'origine, et tout le monde adore. Et j'avais fait également, en 2019, c'était l'un de mes objectifs, c'est de transmettre des messages. Vous savez, quand je suis venue, j'ai été interviewée par certains de vos collègues, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je leur ai dit, moi, je ne vais pas chanter ce que les autres chantent habituellement, les chgori, la musique d'El Samil Maghribi, Salim Lali. Non. Donc, j'ai choisi la difficulté. Pour transmettre des messages. Le patrimoine, l'origine je veux mettre les points sur les i. Et vraiment, tout le monde a aimé, il y a eu plein d'écrits dans ce sens. C'était magnifique, c'est un souvenir qui restera dans ma mémoire à jamais. Quand je vois, alhamdoulilah, l'évolution de toutes ces démarches, et on voit le résultat qui avance à un pas extraordinaire, je me dis, alhamdoulilah, ala bladna. الحمد لله على بلادنا والله ينصر سيدنا والله يخلينا في سلم وامان وهذا الشيء اللي كان زعما فوالا بوت تغلي بوت غولي ابو فوت دو